Buenos dias, bienvenue pour cette deuxième lecture de Luchaman. Et cette fois, on va parler d'une série dédiée à l'un des personnages féminins des Teen Titans, les plus appréciés. Je parle de Raven, série que vous pourrez retrouver en format épisodique en VO. Mais vous ne pourrez pas la trouver en français actuellement, et je pense que vous ne la trouverez jamais. Car je doute que Urban Comics en a quelque chose à foutre de Raven. Et puis eux, tout ce qui concerne pas Batman. Après la mort de Tim Drake, les Teen Titans se sont séparés. Enfin, pas pour longtemps. Quoi qu'il en soit, Raven, qui n'était pas très chaud pour retourner chez son père dans son enfer interdimensionnel chelou, décide d'aller vivre chez sa tante de San Francisco. Autrement dit, la sœur de sa mère, humaine. Qui sont une véritable famille de Flanders. Et là, la question, c'est est-ce que Raven, notre gothique de Teen Titans, va-t-elle s'intégrer à sa nouvelle famille? J'aimerais leur dire qui je suis. Mais comment expliquer ça à des moldus? Parce que, évidemment, elle ignore ce qu'est un lycée, ce que sont des nains de jardin et la religion chrétienne, mais elle a lu Harry Potter. Eh! C'est une ado. Mais tout de même, j'ai beaucoup aimé cette série. Déjà parce que ça permet de voir Raven autre part que dans les Teen Titans, et dans un contexte où on n'a pas l'habitude de la voir. Car soyons honnêtes, si on aurait fait juste une histoire de sorcière super-héros, j'aurais peut-être pas acheté cette série. Même si j'aime bien Raven. Là, on a quelque chose de plus intéressant. Un peu comme dans la série animée des Teen Titans, le côté adolescent de l'héroïne est plus accentuée, ce qui nous donne plus qu'une simple sorcière gothique marginale. Bien sûr, l'histoire de l'adolescente différente qui essaye de s'intégrer dans un lycée et une nouvelle famille, c'est pas ce qu'il y a de plus original, mais ça a au moins le mérite de proposer quelque chose de nouveau et différent avec Raven. Aussi, la série fait un bon boulot sur les pouvoirs de Raven. Pour le moment, on n'en a qu'un perçu, mais c'est plutôt différent de ce qu'on connaît. C'est peut-être la façon dont c'est dessiné et mis en scène. On a également quelques intrigues secondaires qui se développent bien et qui s'annoncent plutôt intéressantes. Mais bien sûr, il n'y a pas que du bon. D'une façon assez paradoxale, je trouve que l'intégration de Raven est assez secondaire, alors que pour moi, elle devrait être centrale. Peut-être parce que les auteurs avaient peur que ça ressemble trop à une série pour ados. On passe très vite à la grande menace de la grosse boule lumineuse qui bouffe les gens. L'entourage de Raven, à part sa tante et ses amis du lycée, ne sont pas vraiment développés. Le mari de sa tante ne doit avoir que 3 répliques. Et ses cousins font seulement de la figuration. Après, je n'ai lu que les 3 premiers tomes, alors il se peut que ça s'améliore par la suite. Là, on a 2 solutions. Soit au final, Raven ne s'intègre pas et quitte sa famille et le lycée, et la série devient beaucoup moins intéressante. Soit la série continue dans la même lancée. À mon avis, c'est ce que voulons les auteurs. Enfin, combien de séries ont commencé bien pour ensuite totalement partir en couille? En tout cas, Raven est une série qui promet, et j'ai hâte de lire la suite. Et il est appréciable de voir que les 2 filles des Teen Titans ont été plutôt bien traitées dans leurs séries respectives. Car j'avais beaucoup aimé la série Starfire, dont nous parlerons dans un prochain numéro.